à mettre ta parole en pratique. Allons-y. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas de, on parle de succès. Et puis on parle de la réussite. Le succès, c'est qu'on parle. C'est le succès. Tu touches. Le succès. Mais la réussite, c'est ce qui t'a touché là. Ça ne disparaît pas, ça est là. Laisse l'héritage. On peut avoir du succès puis n'est pas réussi. Oui, ils ne sont pas avoir du succès. On parle de toi, le succès. Oui, il a eu l'argent, ce monsieur. Et puis moi, on sent que tout disparaît demain. Excusez-moi, l'exemple de Louga François. Mais le Dieu dans la parole de lui. Et puis les morts dans une misère. Il n'a pas laissé quelque chose. On est sur la route. Je te laisse un héritage. Oui, t'es à Dja. T'as des choses pour que tu as travaillé. Et pas la main. Amen. On va du succès, la réussite. La seule condition, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Si nous avons commencé à faire d'ailleurs, nous sommes en train de travailler pour que les gens nous envoient des Bibles. J'ai pensé à vous enseigner la parole de Dieu. Et vous devez aussi lire la Bible. Amen. Vous devez la lire. Alléluia. Vous devez vous battre pour ça. Avoir la grande connaissance de la parole. Parce que l'ignorance est la plus grande des maladies. Parce que c'est une erreur. L'ignorance est la plus grande des maladies. Il y a des gens qui viennent, ne veulent pas qu'on parle de Dieu, qu'on prêche. Il faut qu'on prie pour eux. C'est quelle histoire? Non. Il faut qu'on t'enseigne la parole. C'est elle qui édifie. Mais t'as mis encore. Elle est source de bénédiction. Mais il n'y a pas l'air. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Chacun doit s'acheter une Bible. Voilà. Moi j'ai remarqué le jour où on me donne une Bible gratuite, ça se perd. J'ai dit aux gens, mais moi j'achète mes Bibles. Là il va regarder Bible. Je ne demande pas gratuitement les Bibles. J'achète la Bible. 7 000, 17 000. Les 17 000. Ce sont des Bibles d'études. Parce que je veux réussir sur cette terre. Oui. Le succès dépend moi de la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Vous comprenez? De la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de promesses. Je découvre qu'un chrétien ne doit pas mourir pauvre. C'est la parole de Dieu qui m'enseigne ça. Depuis que j'ai eu cette révélation, la pauvreté a fui de ma vie. Amen. Je vous dis la vérité. Lors de l'argent appartient à qui? Vous êtes convaincu? Qui c'est ça? Alors, c'est ça. Vous êtes convaincu que l'or et l'argent appartient à Dieu? Alors, Dieu l'a une équipe pour vous. L'or là, j'ai battu à qui? Allez, il est dans la rame. Il est qui pour vous? Le yon. Mon père, mon clé. Non, laissez-le. Le papa. Oh, là, tu. Il n'est plus au stade de sauveur maintenant. Oh, ça y est, bon, on peut venir. Qui est sauveur? Il est le moca. Maintenant, là. Non, il y a un peu. Moi, il est bien, tu. Il est bien, le moca, il est bien. Mon nom. Amen. Amen. Jésus d'abord parlé des disciples. Après, il dit, vous êtes mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Amen. Amen.
Amen. Amen. Donc je parle du Père, de notre Père. Et on dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Et si les gens ont mal enseigné, ils ont diabolisé l'argent. À point que le chrétien n'entreprend plus les affaires. Plus il fait les affaires. Mais il a une pauvreté sans nom. Il est pauvre, il n'y a pas de nom. Ceux qui m'ont dit. David dit qu'il était jeune, j'ai vieilli, il n'a jamais vu le juste mendier. David le bas, moi le dernier, mais peu nous n'y a pas. Moi, les juifs m'ont choqué. Les juifs m'ont dit la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie des nègres. Quand Dieu est absent de ta vie, mais vous-même vous dites que l'or et l'argent appartient à Dieu. Voilà. Nous sommes d'accord avec ça. Donc ça veut dire que l'or, l'argent n'appartient pas à Satan. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Ça appartient à Satan. Non. Ah. Puis les gens n'aimaient pas l'argent. J'ai dit aux gens, moi j'aime l'argent. Amen. Mais j'aime pas, j'aime l'homme plus que l'argent. Tu n'aimes pas, tu n'as pas cherché. Sous la pluie, la dimanche, la goyle, quelque chose qu'on n'aime pas, on ne cherche pas. Si une fille t'a plu, tu veux la marier. Moi, il est là. On voit les femmes en train de prendre un sac de bananes, les vendent. Quelque chose que tu n'aimes pas d'abord chercher. Pourquoi aimer l'homme plus que l'argent? Faut pas les vendre de l'homme à cause de l'argent. Non, mais quand on voit le placard, quand l'homme en difficulté, il faut lui donner. Quoi, c'est l'homme plus que l'argent. Il n'avait pas fait d'aller 100 000 dollars à quelqu'un. 100 000 dirigeants. Parce que l'argent n'a pas d'influence. L'argent ne commande pas. Les gens, l'argent, les commandent. Quand ils ont 100 000, il faut donner des mots. À un moment, quand vous voyez, c'est grave. C'est sorcellerie maintenant dans les têtes. Mais on a capé. Moi, l'argent ne me dicte pas. C'est moi qui dicte l'argent. À mes côtés, dans la propre vie. Ce n'est pas l'argent qui me dit ce qu'il doit faire. Vous, c'est l'argent qui vient vous dire ce que vous devez faire. Prends-moi même dans ma guise d'abord. Puis tu le suis. Ah, tu as raison. Hein. Quand tu finis, moi je suis bête. Hein. Oui, que n'ont plus d'argent, ça les amène là-bas. Il y a des gens qui ont l'argent, on ne peut pas rester tranquille, ça les gratte. Sorti là. Tu es pressé, vite parti. Tu vas où? Là-bas. Amen. Amen. Elle a eu l'argent, j'avais l'argent, plus de 1 500 000. Je dois acheter des appareils. Quand j'ai l'argent, il faut sortir. Ça dit, je dois l'acheter. L'argent, ça me... je suis pressé. C'est quoi? C'est de ma tête. Il n'y a qu'à sortir. Là, il y a eu tout de suite. Là. Ça peut être un demain. J'ai dit, ok. Non, je vais prendre la douche. Il me parle, je me lave. J'ai pris l'argent. Il est allé me coucher. Il est dit, prends-moi. C'est quoi? Je vais ici, tu me parles. Dis, m'assois. Tu me laisses en paix. Il est là, prends-moi. Amène-moi dehors. Comme tu es fort. C'est comme ça qu'il était délivré. Il a dit,
La musique. Amen. Amen. J'ai montré un jour l'argent à quelqu'un qui me suivait. Combien il a montré 3 millions. Il a raison. 3 millions. Deux palades dans sa main. C'est rien. Allez, il est là. Il est fou. Amen. Ça dépend de comment toi tu vois ça. Là, ben, comment il est. Je vois ça en papier. Vous pouvez même nous parler. Mais c'est papier. C'est fou. Qui donne la valeur à l'argent? C'est pas l'homme. Comment bien dans les ébranles? Tu n'as pas pris par là acheter. Qui va te prendre? Il t'a combien été programmé? C'est ça qu'il faut aimer l'homme, puisque l'argent, si tu es mort là. Il est fou. Je dis, va te prendre. Quelqu'un viendra prendre ça? Pourquoi non, on est dans la combien qu'il est. Vous devez aimer l'homme plus que l'argent. Ah ouais, ma quoi, c'est la fête là. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bah, c'est quoi? On vous dit un mot. Si Dieu est Dieu de votre vie, il est le véritable Dieu. Il y a des choses qui doivent vous manquer. Il est dans un homme qui vient. L'argent. Dans la... Amen. Une fois ça manque quelque part, des mots viennent. Le problème là, c'est pauvreté. Tu vois, les gens se battent, c'est pauvreté. Où il y a pauvreté, il y a sorcellerie, il y a démons. Il y a la faim. Quand la faim vient, c'est grave. Tu n'es pas en jeûne. Tu avais déjà à manger, tes yeux tous. Dieu va démontrer un pied de Donc si tu vois les gens prier comme ça, Seigneur, pardon, moi je suis pauvre pécheur. Mais quoi, vous avez dit bien, n'inquiète pas. Moi, ce n'est pas dans mes prières pour pécher. Amen, garçon. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a des choses que nous devons briser de nos vies. Amen. C'est mon message tout à l'heure. Il y a des choses que tu vas briser dans nos vies. Quand on te regarde, on sait que Dieu est vivant. Amen. On ne doit pas sentir la misère. Amen. Qu'on doit sentir la gloire de Dieu. Par alors l'argent ne doit plus te manquer. Amen. J'ai dit aux gens, quand quelqu'un a l'argent, sa manière de marcher, celui qui n'a pas, va même se passer. On a les gens. Amen. Il est bien. Amen. C'est ça que je suis en train de me battre pour que Dieu, on vous donne un peu d'argent, vous avez comme ça. Celui qui n'a pas l'argent et celui qui a l'argent n'a pas même malé de marcher. Celui qui n'a pas, il parle seul. On est fou. Même qui a problème, il parle seul. Il est possédé. Possédé de tous les problèmes. Il parle. Ah, il a quoi? Il essaye quoi, mais il est venu demander la haine des maisons. Il est donc c'est pour ça que tu vas dans la rue. Je vais ici dans tout le fond. Et amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que Dieu nous donne l'argent. Mais il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Donc je vous conseille. Vous avez des bas-fonds, travaillez. Vous avez la forêt, travaillez. Parce que Dieu bénit le travail. Allons-y dans Deutéronome 30, verset 9. Hey, c'est bien, vous partez pour un crédit. Hein? D'ailleurs, il travaille. Dieu est dans le travail. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Moi, je ne pas que mon ami se fout de moi. C'est qui a fait que les gens te respectent là déjà? Ou bien, c'est ça. Ça fait qu'on respecte. Non, il y a eu diplôme, il y a un master, on est méchés par toi. Pardon. Il faut laisser faire ça. Deutéronome. 30 verset 9, oui, allons-y. Vas-y. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en présent. Il te comblera de bien, oui.
tout le travail de tes mains. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Amen. Travail de tes mains. Amen. Le fruit de tes entrailles. Je préfère le travail des mains d'abord. Amen. Je préfère prospérer le travail de tes mains. Amen. Travailler, si vous avez la possibilité de créer quelque chose, faites. Vous avez les parfums, ils sont Dieu, merci. Bah, vous voyez ça, là, c'est signe de richesse. Je posais avec une autorité. Il était le responsable de tout la potasse. Il a donné un projet. Les gens allaient nous faire dans les parfums, faire les parfums. Et excusez-moi, il dit nos frères Didal là disent que non. Quand on va travailler dans le bas-fond, on n'est plus garçon, nos reins. Maintenant, il dit, mais les plus grands travailleurs de bas-fond, ce n'est pas les Chinois. Ils sont 1 milliard de personnes. Chinois, moi, non, ça va le bien. Moi, je suis un rein. Je n'ai pas de 1 milliard. C'est pas que manger des Chinois, mange. Mais ça va le. C'est iré. Il est là. En fait, c'est manger des Chinois. C'est maintenant qu'on a compris que vous mangez le riz. Si ça tue rien là, elle n'allait pas être milliard. Et son en bas-fond. Chaque jour, ils mettent les ponts des enfants. Le moi qui est calé, où du coup, on leur demande pardon. Celui qui fait un seul enfant le paye. Moi, je le compte. Je le compte. Non, bas-fond, tue les reins. Mais les Chinois sont 1 milliard. Et ils travaillent dans bas-fond. Ça dit que c'est la paresse. On n'aime pas travailler. On n'aime pas travailler. Et Dieu est dans le travail. Amen. Si vous travaillez, vous allez voir Dieu vous bénir. Moi, je suis en train d'entreprendre des choses. Des choses et des choses. Mais Dieu est dans le travail. Ah oui, c'est important. Il y a des choses qui passent devant vous. Ce sont mes activités personnelles. Mais il faut travailler. Le travail, Dieu bénira le travail. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez la forêt, ne bradez pas ça. Pour 50 000 francs, quelqu'un va prendre 2 hectares, 3 hectares. Il peut aller se faire des millions, c'est toi qui en as les crédits. Messieurs, pardon. C'est la rentrée, pardon. Pardon, toi de Dieu. Aie pitié de moi, Dieu. Monsieur, pardon. Mon enfant, si tu n'es pas, monsieur. Le moment il t'a donné, pardon. Travailler. Il dit bénira le travail du témoin. Vous avez compris? Le seul problème, sorcellerie là c'est fini. Laissez à faire les sorciers pardonner. C'est fini. Travailler. C'est l'heure du travail. On a plein de quoi. Tout le monde nous bat pour vous aider. Vous est-ce qu'on m'a bien saisi? Vous devez travailler, c'est tout. C'est ton travail là qui a fait que les gens ont été respectés. Non, c'est pas une question de nous, il parle en langue, il a don de ça. Alléluia. Pourquoi les gens nous respectent, les Dulakiel, les Kagoulas? Nous devons répondre. Les chrétiens sont des pharisiens. Le chrétien moi, ils sont dans les églises en train de prier. Mais après la prière, la réalité. On est dans toute la vie en l'église. Non, Dieu pourra Dieu. La main ne descendra plus du ciel. Amen. On peut entreprendre les sociétés de Baka. On peut avoir un congélateur, faire les glaces. Plusieurs voulaient les glaces plantes. Les glaçons là. Entre ça dans les trucs de qu'on appelle les boulangeries. Là, ni, dans c'est pas de l'argent. Là, ni, dans la rien. Il y a tellement de choses qu'on peut entreprendre. Tout ce que Dieu veut, c'est de commencer. Il faut commencer. La voix, la qui copie, il faut qu'on crée. J'ai demandé aux gens, les femmes, quels sont les projets. Elle dit, je vais vendre banane. Il dit, c'est comment? On va prendre un marché dans le village, on vend. Il dit, est-ce que quand on te donne 200 000, tu vas avoir combien? Il dit, juste.
Les bénéfices, vous voyez là. Je dis, c'est pas projet. Non, mais il y a là. Tu as vu l'autre faire, tu viens faire. Non, c'est un cas, non, mais il est con. Amen. Amen. Tu as vu l'autre fait, tu as vu l'autre fait. Il y a bon, il y a non, bon. Après, là, c'est pas qu'elle est vie et fait. Non, non, non. Il est là, mais c'est ça notre sorcellerie. Elle fait attaquer sa main. Toi, je vais faire pour toi. Non, Védène, Védène, ça fait nous. C'est comme ça, nous, les Africains. Ça, il y a quoi, quoi, nous. Amen. Tu peux t'appliquer ça. Il y a même nous, les Africains.